comme ça, c'est sport. Hein. Vous allez faire le job, les gars. Tchat, 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 tchat. Top, bouge plus. Parfait, entre. L'idée, c'est vraiment toi, soit de t'isoler, soit lui après derrière, de repartir, de rentrer pour repartir en case. En case. Oui, c'est bon, c'est du bord, non, du bord. Pas avec les moyens du bord, hein. Tu parles de moi, là? Non, la table. C'est bon aussi. Ensemble, les gars. Sur le match là, qui nous est proposé, hein, 2-3 clés importantes. D'abord, on n'en a pas parlé, mais notre ADN, c'est de défendre. C'est de bien défendre. De défendre ensemble. D'être en bloc. De pouvoir faire corps. Quel que soit l'endroit du terrain, on défend ensemble. On se parle. On communique. On change. On met l'adversaire en difficulté, en pression, sous pression. Je pense à ceux qui sont pas là. Kevin, Steve, bien sûr. Yuba, Arthur, Amine. Tous, on est un groupe élargi, on pense à tout le monde. Ceux qui peuvent pas être là aujourd'hui, c'est comme s'ils étaient là. Ok ? Deuxième chose, on tergiverse pas trop les gars. Quand on est sur le terrain, il y a un choix à faire, on le fait. Il y a une frappe à prendre, on la prend. Après, on défendra et on se battra les uns pour les autres. Ok ? Et troisième chose, confiance. Confiance en soi d'abord et confiance envers mes coéquipiers. Ok ? Il faut aller au deuxième poteau, je vais au deuxième poteau. Ok ? Et pareil, après on s'arrache les uns pour les autres. Et comme a dit le coach, confiance mais pas de suffisance. Ok ? C'est une bonne équipe, ok ? On va les respecter, on va jouer à fond comme on a fait jusqu'aujourd'hui. Ok ? Allez, allez. Salta, comme jamais ! À nous d'aller vers lui, ok. Même si je viens pour frapper, c'est pas le bon moment. Comme Mikaël a fait un moment, je passe derrière le pivot et c'est un autre qui vient, ok. Là, on attend qu'on fait, la passe au pivot, on attend qu'il ressorte, on le laisse en galère. Non, c'est à nous d'aller vers lui. Et deuxième chose, quand on joue, on fait un appel vers l'avant. Si mon défenseur il me suit, je m'arrête et je reçois la balle. Sinon, si mon défenseur il m'a pas suivi, là je continue. Mais parfois, le porteur on le laisse un peu en galère parce que contrôle, il contrôle, on part. Et en fait, on a juste à s'arrêter parce que le défenseur il a anticipé la course. Ok ? Sinon, c'est bien, les gars, on continue comme ça. Non, après, c'est ça, c'est grave, mon gars. On est content de se retrouver dans les grands buts, mais sinon, faut courir, mon gars. Premier point, c'est que si on avait affaire à une équipe normale, entre guillemets, on pourrait dire on continue. On continue comme ça. On continue comme ça. Parce que c'est la réalité, on fait une bonne première mi-temps, plutôt aboutie. Même si il y a des points de vigilance dont on parlera sur la vidéo. Mais c'est pas une équipe comme les autres. D'accord ? À moins 4 contre l'Iran à la Coupe du Monde, ils sortent un power play, ils le maîtrisent. Et donc, le match change. Il y a 2-0, donc il n'y a rien. Il n'y a juste rien. D'accord ? On a fait une bonne première mi-temps, on la laisse derrière, et on a un autre match qui commence. Un autre match, peut-être encore un peu plus dans la tête. D'accord ? Parce qu'ils vont nous sortir le power play, parce que c'est une équipe qui a cet ADN-là. D'accord ? Et donc il faut qu'on soit prêt.
Ça va, tu peux me voler mon 50e but. Sans sélection, ils rentrent dans le cercle fermé des personnes qui ont passé le cap des deux chiffres. Mais ça, c'est dû à l'homme, au travail qu'il a effectué, tout le parcours. Il n'a jamais rien lâché. Une longévité, il la doit à son hygiène de vie, à sa passion du futsal, mais aussi à toutes les valeurs qu'il défend depuis toujours. Après, il y a deux choses que je retiendrai déjà. C'est de voir que tout le monde est content pour moi. Ça me touche beaucoup. Soit les joueurs ou le staff, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché pendant le match, avant et après. Et puis aussi ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est de voir où on en est aujourd'hui par rapport à quand j'ai commencé. J'ai eu beaucoup de changements. Comme j'ai dit, il y a eu des moments difficiles, on a vécu des moments difficiles. Mais ce que je retiens et ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on est respecté. Partout où on va jouer, on est respecté maintenant. On arrive à faire de très bons résultats et j'espère qu'on continuera et qu'on arrivera à faire encore de belles choses ensemble parce que le plus beau reste à venir encore. Et voilà, merci à tous.